bien, donc, cette année, nous inaugurons nos rencontres historiques du Val de Serre. On espère que, comme ce matin, on espère que dans les années à venir, ça va prendre de l'ampleur et qu'il y aura de plus en plus d'interventions de gens moins connus, de gens plus connus. Alors, le sujet limité, organisation du territoire actuel de la Manche durant l'Antiquité. Alors, c'est basé sur les recherches auxquelles j'ai participé pendant des années dans le cadre d'un PCR, un projet collectif de recherche entre le bassin nordique pendant 8 ans, donc 2011 à 2017, 2018. Et avec le GRAC, avec la SHAM, avec la fac de Caen, avec l'INRAP, recherche, il y a tout un tas d'ateliers, et moi j'avais travaillé surtout donc sur les limites antiques dans la basse Normandie. Alors, fin d'antiquité, donc je ne vais pas dire bas-empire, parce que de nouveau bas-empire, ça ne veut pas dire grand-chose. On va dire antiquité tardive. En gros, la situation de l'Empire romain au 4e, 5e siècle, pour faire ça. Limite extérieure. Et limite interne. Parce que comme de nos jours, on a des régions, des départements, des cantons, des communes, on a fait la même chose, avec des diocèses, des provinces, des civitates, des cités et des pagies. Donc, en ce qui nous concerne, on est dans le diocèse de Gaule. La province de la Gaule lyonnaise, qui a été scindée en 297 en deux parties. Ici, c'est la Genèse seconde, dans le chapitre à Rouen. Ensuite, des civitates, des cités. Donc, pour la Manche, au Bas-Empire, c'est Junel. Avant, c'était deux entités, Junel et les Apins 4. Et les Junel étant la fusion de deux territoires antérieurs, les Junel et probablement les Ambibars. Donc, vous avez le document numéro page 1, là. Hop. Voilà. Donc la situation au Haut Empire. Donc les Unel, pendant longtemps, on lit encore que les Unel, tout ça, a priori non. Les Ambibars, probablement. Abrin 4, les Bajocas sont Bayeux. Les Villucas, le chef-lieu, est à Vieux-la-Romaine. Les Étuviens à C et les Sagiens à Aix et les Sagiens à C. Ici. Alors ensuite on parle du territoire de la Manche. Par rapport au territoire de la Manche, il y a des petites retouches à faire. D'une part, le territoire de base de l'étude, c'est le diocèse de Coutances, parce que les diocèses du Moyen-Âge ont repris les emprises territoriales des divisions de l'Empire romain. Donc il y a deux diocèses de Bordeaux, le sud de Coutances, le sud d'Avranches. En ce qui concerne Avranches, qui apprend des Abrins 4, il n'y a aucune différence par rapport au territoire antique. En ce qui concerne le diocèse de Coutances, il y a des nuances. D'une part, on a toute la partie ici à côté de Vire, qui est maintenant dépend du Calvados. Et dans l'autre sens, à Saint-Lô. Saint-Lô est la rive est de la Vire, dépendait des Bajocas. Donc ça, c'est au Haut-Empire. Arrivé au Moyen-Âge, toute la zone qui est ici est rattachée à Coutances. C'est suite aux règles de Saxons de la fin du 5e siècle, le 6e siècle plutôt. L'évêque Lô et la UD se réfugient à Briovert, qui était Saint-Lô, qui est devenu Saint-Lô. Et donc, toutes les paroisses qui sont autour de Briovert sont rattachées au diocèse de Coutances. Et inversement, on a des paroisses, là, il y a lieu saint ici, Saint-Marie-Église, Vierville, Le Vieux-Plein et une, ici, qui fait partie, parce que c'est l'exemption de Sainte-Mère, qui dépendait de l'évêché de Bayeux. Donc là, il y a eu un échange de paroisses à cette époque-là. Donc ça, c'est le cadre à l'époque du Haut Empire.
Et donc après, il y a eu la révélation de Dioclétien, qui est un empereur toute fin 3e du 4e. Et donc, les cités de Vieux et d'Hébreu, de Bayeux, ont fusionné, ainsi que les Zanguibars et Zunel. Et les territoires qu'on a après correspondent tout ou prou aux divisions des diocèses du Moyen Âge. Alors, c'était lu ça. Alors, au niveau des sources, les sources antiques, il n'y a quasiment rien. Il y a César qui parle dans la guerre des Gaules des peuples qu'il rencontre là. D'ailleurs, à propos, qui connaît le prénom de César? Non. Non. Non, non. Le prénom de César, c'est Caius. Caius, c'est le prénom, Jules, c'est son nom de famille, et César, c'est le surnom, son nom. Donc, il y a Pöttinger, enfin la carte de Pöttinger, qu'on avait affichée lors de notre expo sur les cartes anciennes, qui c'est une reproduction d'une carte médiévale de carte antique, qui trace des voies, probablement il y en a deux, qui vient de condater Rennes, qui remonte via l'Égédia, Avranches, Alona, et ensuite Corialo, et l'autre qui vient depuis, comme ça, et l'autre voie qui vient depuis Augustodunum, Bayeux, Crociatunum et Alona. Donc c'est les deux seules voies qui sont tracées. Il y a l'itinéraire d'Antonin, qui n'est pas une carte, mais un itinéraire qui parle de cette voie-là, avec les distances à chaque fois entre les villes. Et donc, au niveau sur antique, c'est tout ce qu'il y a. Donc, la méthode, c'est une méthode régressive. On part de documents médiévaux pour reculer en arrière. Parce que les limites qui ont le moins changé entre l'Antiquité et jusqu'à la Révolution française, ce sont les limites religieuses. Limites religieuses. Les doyennés médiévaux et donc l'époque moderne correspondent tout ou prou aux pagis de l'Empire romain, avec parfois des retouches. Mais en ce qui concerne le Nord-Cotentin, il y a très peu de différences. Alors, les documents médiévaux qu'on peut utiliser, il y a différents pouliers. Il y a le compte du diocèse de Coutances, 1351-52, le pouillier de 1332, le pouillier de 1320-1325, le Politicum Constantiensis diocésis de 1278, et également la donation de Richard III à son épouse Adèle de France en 1026-1027, le douaire de Richard II à son épouse Judith daté de la fin du Xe siècle, la donation de l'abbaye de Saint-Père au Mont Saint-Michel 1022-1026, et des éléments plus, plus en détail, une charte de 717-718, Fontenelle, qui parle de l'événement passé à Port-Baille au 8e siècle. Et par ailleurs, concernant les avant-quatre, il y a quatre pouillers, un de 1369, un de 1371, 1412, 1480. Et également les notes de Charles de Gerville, érudit du 19e, qui avait noté beaucoup de choses sur les traces de voix en particulier, qui étaient encore visibles à l'époque. Alors Gerville a tendance à en voir un peu partout, parfois il n'y a rien, mais ces notes sont intéressantes parce qu'il cite des choses qui ont aujourd'hui disparu. Donc les doyennés correspondent à des anciens pagis. On a le cas ici. Alors, donc là sont les doyennés du diocèse d'Avranches. Donc là c'est Genet ici. Là c'est le doyenné de la ville d'Avranches. Mortain, Cuves et Saint-Hilaire. Et en fait, limite. Alors là, ce sont les emprises des paroisses.
Mais ce qui compte pour la recherche, c'est partir l'emplacement des églises. Parce que vous pouvez bien mettre en tête qu'on a des territoires préexistants, les églises se sont bâties à tel ou tel endroit. Et en fonction du territoire sur lequel l'église est bâtie, cette église appartient à tel pagus, et donc ensuite doyenné. Est-ce que je sais ce que ça veut dire ? Il faudrait une précision. Doyenné et puis diocèse. Pour moi, alors, diocèse, c'est l'ensemble du territoire dépendant de l'évêque. Et doyenné, c'est une subdivision. D'accord. La Manche, de la Manche, il y a doyenné de Serres, doyenné de Hague, de Valeux, etc. D'accord. Et donc, c'est important, c'est l'endroit où est placée l'église. À partir de le point d'une église, on met sur une carte et on a des territoires cohérents. Voilà, donc là-dessus, vous avez la placement des églises. Alors, donc, là, c'est pour Avranches. Alors, tout ce qui est en bleu clair, c'est Avranches, parce que le siège de l'évêché a tendance à empiéter sur les douyennés environnants. Au départ, il n'y a pas de douyennés de l'Avranches. C'est la capitale de la cité. Là, ce douyenné ici, j'ai l'impression qu'il est tout seul, là. Le point est séparé. Mais en fait, on a deux axes qui vont délimiter le territoire et qui se fait un truc cohérent. Parce que l'important, ce n'est pas le territoire de la paroisse ici, c'est le point d'église. Ça va être plus clair concernant le Val de Serres. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode des églises. Mais encore faut-il retirer les églises qui sont tardives. Une église qui est bâtie au XIIe siècle, au XIIe siècle, ne rentre pas en ligne de compte. Il faut avoir trouvé des églises par lesquelles on a une assurance qui existe au moins à l'époque carolingienne. Parce que cette mutation date de cette époque-là. Alors, toutes les autres divisions politiques, les comtés, les sergenteries, c'est plus tardif et ça peut bouger dans tous les sens, donc il y a moins de stabilité. Les limites religieuses, elles, ne changent pas. Alors, ici, on a un exemple. Donc, la béné de Genet. Et alors, les territoires sont comme de nouveau, les communes sont limitées par des cours d'eau, des routes, lignes de hauteur, un marais, il y a des limites tangibles que quiconque peut retrouver. Quelqu'un, un émissaire qui a été envoyé depuis Avranches ou Coutances à 50 km, on ne va pas dire tu passes le champ de M. Dupont et au champ du territoire. Non. Il y a la grande route, il y a la rivière, il y a la ligne de hauteur, c'est des repères tangibles et qui ne changent pas. Savoir où termine le territoire. Voici un exemple pour les douyennés de Genet. Ici, on a le Tarn, donc là, c'est un cours d'eau. Là, on a la voie Avranches-Coutances, la voie antique, là, c'est en bleu, une erreur ici. Ici, et donc là, on a des limites, et puis ensuite, et après c'est la mer ici. Hein. Et donc là, on a des limites physiques nettes. Et tous les points ici, les églises premières du territoire, elles sont toutes limitées par ces deux paramètres de frontière. Là, on a un autre, qui sont en bleu, et là, c'est un autre territoire. Alors, maintenant, voilà la carte pour l'ancien diocèse de Coutances. Alors, ce qui est coloré, ce sont les douyennés. Alors, est-ce que vous l'avez celle-là ? Oui, vous l'avez ici. Hein. Ici. Le fond de couleur, ce sont les douyennés, et les points, ce sont les églises. Alors, je vais prendre un exemple ici. Alors, l'élément qui nous a fait trouver cette méthode, c'est la serre. Si on regarde ici, on a le Vicelle, ça fait une petite pointe vers le haut, alors qu'on a le Var et Anneville qui descendent. Parce qu'en fait, encore une fois, il ne faut pas prendre en compte la limite des paroisses, mais l'endroit où est l'église. Parce que ces territoires sont antérieurs à la création des territoires des paroisses. C'est antérieur. Donc là, voilà la Serre qui fait limite. Là ici, c'est le Trottebec qui s'est fait limite. Là, on a la Divette.
Là, pour le doyenné du plein, ici, pareil, c'est la douve, ici. Pour celui de Valois, même chose. Celui d'Orlande, qui est là, qui est entouré entièrement des cours d'eau. Ici, ce sont des zones de marais, par exemple. Alors, il y a des secteurs où on a retrouvé l'origine de la limite, sachant que toute la zone centrale autour de Coutances et Saint-Lô a été impactée par le fait que le siège de l'évêché est à Coutances. Ça a modifié les douaniers autour. Mais en gros, si on est plus au nord, c'est une zone de Passamandie où ça a moins bougé. Et donc, on a à chaque fois des paramètres de frontières clairs. Alors, ça peut être aussi des routes. Ici, c'est là, on a la route qui va de Coutances à Alona, ici. Là, ici, c'est la route. Là, donc là, des cours d'eau, là, des marais. Donc là, c'est la Vire qui est frontière avec le territoire de l'évêché de Bayeux, sauf la zone de Saint-Lô, comme tu disais tout à l'heure, qui a été intégrée à Coutances en échange de l'exemption de Sainte-Mère-Église. Là, c'est clair ? Faut le dire, si. Alors, donc là, la missilée, donc il y a du nouveau les églises. Et là, en bleu et en gras, ce sont les fleuves ou les rivières qui forment limite. Hein, ce n'est pas tous les fleuves, ainsi que la voie Coutances-Vallonne ici. On voit bien que le délai de Dorblande est bien limité, le plein ici, la serre ici, l'Ague ici, venez des pieux ici, là je suis de Barneville, et là c'est 40 ans, voilà, chaque fois c'est des limites claires, là la Fémar ici, hein, qui font limite ici. Donc, mais dans l'idée qu'un émissaire qui vient depuis Coutances, que ce soit à l'Antiquité ou surtout à l'Antiquité, il savait que passant en telle rivière, fait cours d'eau, il changeait de territoire. Donc il changeait de pouvoir. Alors, voilà. Alors, c'est quand la Manche, donc la Manche, les unelles. Avant, on allait en Bibar. Les limites des territoires, donc là, c'est pas un problème, c'est la mer, hein, ça, il est jusqu'ici. Là, la Vire, sachant qu'à l'Antiquité, ça dépend de Bayeux, la Vire, jusqu'à la source. Ici, on a une ligne de hauteur depuis Chaulieu. Chaulieu, c'est le point le plus haut de... Voilà. Ici à Chaulieu, c'est le point le plus haut de toute la région. Et à partir de là, on a plusieurs civitates, diversité. On a les Abrincates, les Unelles, les Ducasses, les Sagiens, et là c'est le Mans. Donc là, il y a un point important où il y a six peuples différents, enfin six cités différentes, qui ont un point commun. Ouais. Pourquoi ? Parce que là, c'est un point vide de loin, c'est le point le plus haut. C'est un repère important. On va faire la ligne de hauteur qui est dans l'Orne. Hein. Ici, pas loin chez Jean-Marc, là, par exemple. Voilà, et là, on a les pieds. Donc voilà, ça c'est la Manche. Alors, vous voyez donc les repères, les limites extérieures. Donc là, la Vire jusqu'ici, ligne de hauteur, le Tarn, et ici encore une ligne de hauteur ici. Donc ce sont les paramètres de la frontière des Unelles et des Abrincates. Cours d'eau, hauteur, cours d'eau, ligne de hauteur, cours d'eau avec le coulé. Non, que non, n'était pas aujourd'hui, parce qu'avant d'être canalisé, il fluctuait, et c'était bien plus côté ouest. Il y a plein de phrases. Le coulé, non, par sa folie, avec le mont en Normandie. À quoi l'origine, la limite est plus par là. C'est QFD. Donc voilà, donc ce sont des paramètres. Je vais dire autre chose, c'est plus.
Donc là, on a l'explication pour le répertoire des abrincates. Donc le quénon, une ligne de hauteur qu'on voit ici. Pour faire ça, on a juste pris le point le plus haut, puis on a suivi comment ça se déroulait. Et on s'est rendu compte que les églises étaient toutes du côté du territoire concerné. Là, le cours d'eau s'appelle Egrène. Alors, Egrène, l'intérêt de la toponymie. Egrène, c'est Egoranda, Ecoranda. Randa, c'est un toponyme de frontière. Donc, ça prouve bien que le fleuve, la rivière, faisait frontière. Une île de hauteur et le Tarn. Donc là, on a un territoire qui est limité encore une fois par des paramètres géographiques. Alors, un petit zoom sur la partie nord, donc à côté de Villedieu. Là, c'est la Sienne qui est ici. Alors, pendant un temps, on pensait que c'était la Sienne qui était les frontières. Ça aurait même été écrit dans le rapport du DFL 2012, mais je crois être quand même d'accord, parce que la limite, en fait, je pense qu'elle est plutôt ici. Alors, il faut savoir que dans ce coin-là, on a une zone qui est. Il y avait pas mal de forêts. D'une part, Villedieu est une création tardive, hein, c'est un démembrement de Sault-Chevreuil, suite à la création de la commanderie. Et tous les toponymes que j'ai entourés en noir, ce sont des noms forestiers. Donc, probablement une création tardive dans la forêt. Donc, pas à prendre en compte dans les églises premières. Et donc, en rouge, tous les points qui sont des églises des abrincates, et de l'autre côté, tous ceux qui sont des unelles. Autre élément qui prouve ça, c'est que là, la rivière ici s'appelle la Marchandière. Et Marchandière, c'est de Marca. Marca, c'est aussi la frontière. Et là, c'est cohérent. La frontière retrouvée est ici, et là, la Marchandière. Alors, dans ce coin-là, on a aussi la Lande des Roux, qui est dans les pouillers du déchet de Coutances, sauf qu'on a une mention du 12e siècle, qui parle de la langue des roues dans le diocèse d'Avranches. Donc il y a des paroisses qui ont changé de diocèse, pour des raisons inconnues. Mais en tout cas, on sait, en archivistique, que la langue des roues faisait partie des abrincates, et ça correspond avec le paramètre de la ligne de hauteur qui est ici. Donc c'est cohérent. Alors ça, vous l'avez vu également dans page 4. Alors, ensuite, on a un document important pour retrouver ces territoires antiques. C'est la donation d'Adèle. C'est la donation de Richard III à Adèle de France en 1627, et qui cite des pagis, des Courtelmes, à cette époque-là. Entre autres pour la Serre, il dit Pagus qui dissipur Sarnes, cum aquis et portum maris, sur le pays qui vit de Serre avec la rivière, l'eau, c'est la Serre, qui prouve que la Serre fait limite mais appartient au pays de Serre, cum portum maris. Alors, portum maris, il y a plusieurs possibilités. Ça ne peut pas être Cherbourg, parce que Cherbourg dépend de l'Ague, parce que le cours d'eau, la Divette, passe de l'autre côté. Il y a deux hypothèses possibles. La plus probable, Réville, avec un port d'échouage, éventuellement Cap-Lévis. En tout cas, pas Barfleur. Hein. Bah, pour Barfleur, c'est trop tôt pour que ce soit un port important. Donc voilà, il y a deux hypothèses. Celle de Réville, qui est la grande, mais il y avait quand même un port. À Cap-Lévis, en port, c'est pas un port en dur, hein, c'est un lieu d'échouage. Hein, faut pas. D'ailleurs, port, en fait, c'est quand. D'ailleurs, port, en fait, c'est quand il y a des infrastructures et quand il y a des taxes payées, c'est un port. Plutôt un havre. Donc, il y a également d'autres. Alors, les autres territoires. Alors, la donation de Richard III. Je vais vous le faire en français. Alors, je t'accorde donc, selon le droit d'Otal, concernant les propriétés de ma cité qui s'appelle Coutances, avec
à l'exception de la terre de l'archevêque. En fait, c'est le territoire qui veut, de Coutances et de la banlieue. Je te cède aussi les châteaux qui sont en ciel, c'est-à-dire Cherbourg, Le Homme et Brie. Le Homme, c'est du côté de Picovite, c'est par ici, et Brie. Je t'accorde aussi alors, le domaine de Vert sur la Sienne. Donc, Courtem qui décide tout Vert Super Fluvium Sané. Donc, Vert ici. Avec les forêts, les terres cultivées et non cultivées. Et sur le même fleuve, la Sienne, domaine de Sérance. Donc, ici, à chaque fois, on a des noms de territoires du début du 11e. Je t'accorde aussi le domaine sur la mer, qu'on appelle Agon. Alors, on a quand même Agon. Or, on n'a pas douillé d'Agon. Pourquoi? Parce que cette zone-là a été phagocytée par Coutances et Agon a été intégré au douillé de Perrier. Donc, dans ce coin-là, il y a pas mal de modifications. Alors, la suite de Valognes, avec les forêts, les prés, les moulins et toutes ces dépendances. Donc, indirectement, on sait qu'il y a déjà des moulins à l'époque, du côté de Valognes. Alors, l'abbaye de Port-Bail. Alors, quand on dit l'abbaye de Port-Bail, c'est pas le bâtiment, c'est le territoire qui dépend de l'abbaye. Donc là, il faut comprendre, en fait, c'est l'équivalent du doyenné de Barneville. Qui est également. Alors, on a les limites, là on a le cours d'eau, et là on a la route de direct Cherbourg, Corialo, Cosélia, ici. Port-Bail, donc qui est situé sur le Gerfleur, avec le port. Et le pagus qu'on appelle Serre, donc avec les eaux et le port de mer. Le pagus qu'on appelle Rostelensis, avec le port de mer. Alors, Rostelensis, il y a deux possibilités. C'est soit ici, soit là. Là, ça pourrait être le port du côté de 40 ans. Et ici, je ne sais plus lequel. Mais voilà, c'est pas, les deux sont possibles. Le pagus Algérès, avec son port de mer. Algérès. C'est ici, le port, ça va être Violette. Alors, le Bacchus de Hague, Pagum qui dit Haga cum Silvis et Portum Maris, le pays qui dit Hague avec les forêts et le port de mer. Un port de mer, probablement Cherbourg. Voilà. Le Bacchus, j'en ai fait. Après, alors, donc le Pagus s'appelle Beautois avec ses eaux, ses terres cultivées et non cultivées. Donc le Beautois ici, qui est bien limité également par la voie et les cours d'eau. Ensuite, on a Aiglande. Aiglande avec ses eaux, ses pêcheries. Ecum eo pisito Aiglande cum aquis piscicatoris. Donc, Aiglande, soit c'est Orglande, avec une mauvaise écriture, soit si on a la paroisse Aiglande, ici, les deux collent parce qu'on a des cours d'eau des deux côtés. Mais comme tous les pagus cités sont au nord, j'ai un peu tendance à penser que c'est romain. Donc, grâce à ce document, on a des positions, on a les noms carolingiens des territoires d'origine antique. Ce n'est pas les noms antiques, on ne s'appelle pas les noms antiques. Alors, ensuite, ce qui prouve que c'est bien des limites géographiques qui font les limites des territoires, c'est un texte de la donation de la ville de Saint-Père au Mont-Saint-Michel. Vous l'avez également en bas ici, hein, en bas de page 7. Donc, Abbatium Saint-Patani, Cita Impago Constantiensis, situé dans le pays de l'Occitanie de Coutances, cum terris cultis et incultis, avec les terres cultivées et incultes, cum ecclesis et molendinis, donc avec les églises et les moulins, cum pratis et civis, avec les prés et les forêts. Alors, là c'est intéressant, que terminatur ab orienté via publica tendente consensias. Il m'a marqué une marche au blanc que c'est la voie qui limite le territoire. Septentrionae rivulo nominé Vanléo, donc au nord la Vanlée, Améridier fluviolo nominé Tarn, donc le Tarn qui fait la limite au sud, Ocasius, marée océano, à l'ouest l'océan, cum insula quadicitur castellio, c'est-à-dire avec les îles Chausey. Les îles Chausey relèvent
du territoire de Saint-Père. Alors, c'est également abbatiam, mais encore une fois, on s'entend dans le sens du territoire géré par l'abbaye. Une abbaye, ce n'est pas seulement des religieux, c'est côté politique, économique, il y a d'autres rôles pour une abbaye. À noter aussi de le dire, c'est que les îles anglo-normandes dépendent de l'évêché de Coutances. Alors ensuite, l'important. Alors, des traces toponymiques. Voilà. On est à côté de Saint-Lô. Saint-Lô, là c'est la Vire est là. Là c'est la nationale ici. Et là on a deux noms là, Condol et Ivrande. Alors, je vais faire un zoom. Voilà, Condol et Ivrande. Ivrande, on a Ronda, c'est un mot celtique qui veut dire limite. Et quand Condol, on vient de Canto. Et Canto, c'est également limite. On a donc la fleuve qui fait limite entre les deux territoires, entre les deux cités antiques. Et, comme par hasard, et pour confirmer, on a deux toponymes de frontières juste à côté. C'est bien confirmer le fait que c'est bien la frontière. Alors, ces racines rendent, on en trouve ailleurs, on a des Guérandes, on a. Et pour les Condoles, alors, un nom comme Caen, c'est cadeau. Et Caen, on est en limite des. Caen, ici, on est bien en limite des Ducasses et des Éjuviens. Ici, on a Caragne, ici, sur le Noireau, également en limite. Et ces toponymes en Randa ou en Canto-Cato, ça marche, à 90%, ça marche. Hein. On est toujours dans des limites antérieures. Alors, il y a un cas de Val-de-Serre qui pose problème. On a entre un petit ruisseau qui fait limite entre Anneville-en-Serre et puis Pirréville. Ça s'appelle Randon, le Randon. On a bien la racine limite, mais là, on ne voit pas quelle est l'origine de ça. Mais c'est une trace bien plus ancienne. En tout cas, c'est Randon, c'est la même racine. Voilà, donc là-dessus, on a une ébauche de cartographie des certains des Unelles à l'époque antique. Alors, il y a des zones où on n'a pas de nom. Mais alors, tout en rouge, c'est genre les routes qui font frontière. Là, c'est la route Coutances-Sao, par exemple. Là, c'est la route Coutances-Valeuil, Alona et Corialo. Et par contre, il y a des endroits où on n'a rien. Hein. La limite entre le doyenné de Valogne et celui du Plain, c'est pas clair. Donc là, j'ai les villes, ville capitale, ville secondaire, agglomération secondaire. Donc Corialo, Cherbourg, Alona. Port-Bail qui est probablement Granoboum, Cosédia-Coutances, Légédia ou Ligéna Avranches, Saint-Lô, Poliovert. On a également d'autres agglomérations secondaires. On a une à Saint-Georges, on a ici à l'Étang-Bertrand, on a Montaigu-la-Brisette, ici, agglomération secondaire, et là on a celle aussi du reste de la Basse-Normandie. Savoir au niveau des voies, c'est des. Souvent, c'est de ville à ville. Hein. Alors là, tout n'est pas ce que j'ai mis uniquement les portions qui servent de limite de Palus. Mais Coutances, Pailleux, Alona, Coutances, Avranches, Rennes, ici, Avranches, Versé, on est des axes ville à ville. Et concernant ville à romaine, on se rend compte que.
si je prends l'axe Bayeux, Aixme, on est dessus. Si je fais Coutances, Lisieux, on est dessus. Vu la Romaine, au carrefour d'au moins trois axes. Une station ex nihilo, c'est un croisement de d'axes et la ville est bâtie là. Même chose, on se prend aussi, je prends une ligne le Bayeux, Lisieux et Vreux, de jour, hein, on prend une carte, d'aller voir sur une boîte. Tant de hasard, c'est pas du hasard. C'était délibéré. Là, j'ai ajouté les abbayes mérovingiennes, parce que les abbayes sont souvent en limite de territoire. Encore une fois, il y a un contrôle politique. Là, l'abbaye de Saint-Père est en limite. Là, ici, sur le Loiret, on a deux abbayes mérovingiennes. Là, on a le Ham, ou bien sur la côte. Les abbayes sont toujours, enfin, souvent en limite. Et même chose, les abbayes médiévales classiques du 12-13e sont souvent également en limite de territoire médiéval. Je prends un exemple local, la communauté de Valcanville, qui est au croisement d'un axe fluvial, la Serre, et un axe routier qui remonte depuis la baie d'Évêques, Coutances et jusqu'à la Quatemare. On est au carrefour d'un axe. Ville-Dieu, Haute-Commanderie, est au carrefour de la Sienne et de la voie antique à Franche-Bayeux. Les abbayes et commanderies sont placées à des endroits stratégiques. Alors, au niveau des voies, c'est comme aujourd'hui, il y a des autoroutes, des nationales, départementales, des voies communales, et c'est pareil à l'époque. Donc, il y a différents niveaux. Les voies principales, c'est de capitale à capitale. Ici, on a près de capitale la ville secondaire. On a donc là, en rouge, ce sont les voies plausibles. Sachant que, de manière archéologique, les seules voies qui sont attestées, c'est qu'on peut fouiller. Si on prend un archéologue, il va dire si c'est pas fouillé, on sait rien. Mais en tout cas, on a une trace archéologique de cette voie-là, depuis Rennes jusqu'à Valogne, par la carte de Plettinger, celle-là aussi. Et là, alors donc, quand on a une capitale, on a des voies dans tous les sens qui se croisent. C'est le carrefour à Branche, un carrefour à Branche, celle qui va vers Joublin, par exemple, ici. Coutances, pareil, vers Alona, vers Corialo, vers Avranches, vers au-dessus de Bounoum. Et à Valogne, Alona, on a un carrefour de voies, on a un axe. Nord-est, sud-ouest de Port-Baille jusqu'à la baie de Serre, un axe nord-sud de Coutances jusqu'à Capévi, et un axe sud-est, nord-ouest depuis la baie d'Évêques jusqu'à Corélo. Donc on a un carrefour de voie. Autre élément qui permet d'affirmer que Salona est une quatrième cité, c'est qu'on a un théâtre, on a deux thermes, et on a un forum qui a été récemment retrouvé. Par sondage, je précise. Voilà, donc là c'est une carte, une compilation qui met en place tout ce que j'ai évoqué, avec les noms des abbayes, avec les lignes territoriales. Alors, autre élément, une nouvelle toponymie. Pour les voies, les noms marqueurs, ça va être carrière, parfois modifié en carrière, la chaussée, ou bien le chemin du roi. C'est souvent des traces de chemin antique. Il y a une que je vais mettre, que j'ai oublié de le mettre, avant que ça soit sur les documents. Voilà, oui, c'est là que je voulais la mettre. La page 8, le document. La page 8, vous avez le tracé de la voie qui vient de Coselia, direction Alona, sur la carte actuelle. Et en tout, c'est une photo que j'ai prise en 2010, quand on avait fouillé à Étienville. On voit, à Étienville, c'est justement la douve.
On a un échantillon de la voix. Alors, les voix de l'époque, faut pas penser que c'est des voix d'aller partout. Non, c'est d'aller en Italie, éventuellement, dans des passages difficiles, dans les villes, mais en pleine campagne, il n'y a pas de dallage. Alors, on a ici à Flamanville un petit tronçon qui est d'aller, parce que c'est un passage difficile. Donc, sur, là, vous avez l'itinéraire, une partie de l'itinéraire à l'ONA Cosedia. Et alors, donc, les voies étaient bornées tous les milles. Donc, ici, on a en lieu gauloise, donc 2 222 km, ailleurs, 1 448 km. On a des croix de chemin qui reprennent l'emplacement de voies de bornes antiques. Là, sur le plan, vous avez, c'est un tout petit, mais il y a une commune de Flamanville, juste en dessous, il y a une croix, et c'est probablement la trace fossile d'une ancienne borne romaine. Et juste en dessous du mot Flamanville, dans le milieu de la carte. Et plus bas, à NV, une chose intéressante, on a. Je ne sais plus quel nom de la rivière qu'il a. Le Merderet. Voilà. Et remarquerez que la limite d'MV fait une petite pointe vers le bas. Il y a un petit trait pointillé, tout petit. Ici, je ne sais pas si vous voyez. En dessous d'MV, donc on a la rivière, et en dessous, la limite, un petit trait pointillé, tout petit, qui fait une pointe. Mmh. Et bien, c'est curieux que la limite de la paroisse ne soit pas celle du cours d'eau. Il est probable que ce soit là, parce qu'ici, il y avait pu avoir une borne romaine. Et c'est la trace aussi de la borne qui est ici. Ici, il n'y a aucune autre raison que ça fasse une pointe comme ça. Ça, c'est une chose qui a été découverte pendant nos recherches, il y a maintenant 10 ans. Voilà, puis après, il y a aussi des villages, il y a aussi des vicus. Un vicus, c'est un petit village, comme ici à Flamanville, il y avait un vicus. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux de ville. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'affaire. Alors l'essentiel, donc, c'est bien comprendre que ces limites sont retrouvées essentiellement par la méthode régressive à partir de l'emplacement des églises en se basant sur les doyennés du Moyen-Âge. Et on a fait la même chose pour le reste de la Basse-Normandie, et la méthode qu'on a mise en place au départ pour les Coutances fonctionne partout. Il y a également aussi les titulatures, les noms des saints. Qu'on a Saint-Martin, il y a une forte corrélation avec les chemins antiques. Parce que Saint-Martin, qui a évangélisé une partie de la Basse-Normandie, il n'allait pas par les champs, il partait par des routes. Et quand on regarde les Saint-Martin, il y a 80% des Saint-Martin selon des axes anciens. Il y a vraiment une forte corrélation. Autre chose aussi, l'évêque a des possessions, c'est-à-dire il a des droits sur certaines églises, que ce soit au niveau de la dîme, des nominations, etc. Et à 80% aussi, les paroisses sur lesquelles il y a des droits correspondent à des points de passage importants, à des contrôles de frontières, soit à des villes antiques. Par exemple, l'évêque a la possession de Sainte-Croix au Bocage, en cette paroisse à côté de Tortéville. Or, Sainte-Croix au Bocage, c'est là où il y a l'agglomération antique de Montaigu. Donc il y a une corrélation aussi avec entre les églises dans lesquelles l'évêque a des droits et des points importants à l'antiquité, que ce soit au niveau contre les frontières, mais également au niveau de villes ou anciennes villes ou anciennes agglomérations de l'époque antique. Donc je ne vais pas avoir tout dit, parce que je pourrais en dire pendant des heures. Alors il faut savoir quand même que cette méthode, cette théorie comme quoi les duennés médiévaux correspondent aux pagus carolingiens qui eux-mêmes correspondent aux territoires médiévaux, les robingiens et eux-mêmes antiques, il y a une autre école, entre autres Florian Mazel, qui dit que lui, non, pas tellement, pas tant que ça. Donc il faut savoir qu'il y a aussi une autre hypothèse qui dit, vraiment, lui est moins sûr. C'est un livre de qualité.
Donc voilà, je ne sais pas avoir rien oublié, je suis sans doute. Mais bon. Maintenant, y a-t-il des questions? Oui. Est-ce que tu aurais une idée de quand est arrivé les différents types de patois dans la Manche et selon quel Non, puisqu'il n'y a pas vraiment rapport avec. Non, mais en fait, ça aurait un rapport avec. Aucun. C'était juste pour savoir. Oui. Tu as évoqué les ambibars. Oui. Est-ce que c'est expliqué par Jules César, ces ambibars ? Ambibars, il dit qu'il cite les ambibars, mais sans préciser l'endroit où ils sont. Donc, jusqu'à très récemment, c'était les Unelles, ça. Mais il est clair maintenant qu'il y a deux capitales. Deux capitales, deux peuples. Alors, pourquoi les ambibars en bas et les Unelles en haut ? Pas l'inverse ? Alors ça, je n'ai pas tous les éléments. Moi, j'ai consulté Laurent Pesazende, qui m'a dit, a priori, ce serait les tunnels au nord et les verts au sud. J'en sais pas plus, mais j'ai confiance. Si Laurent Pes dit ça... Oui, si Laurent Pes dit ça, je crois. Les tunnels, oui. Vous n'allez pas jusqu'à Coutances, alors. Les tunnels, c'est la partie au nord des États-Unis. Donc, au nord de la Ligue. À peu près. Alors, la limite n'est pas encore. Il y a deux hypothèses pour la limite. Hein. Il y a une limite plus du nord, du sud, mais grosso modo, c'est la zone des marais, quelque chose comme ça, grosso modo, quoi. À peu près. Parce que alors. Entre les Romains et les Gaulois, c'était les. Alors, les peuples, les civitates romaines du Haut Empire reprennent les peuples, les territoires des peuples gaulois. En tout cas, pour notre région. Une question ? Oui. Mais apparemment, il y a eu un axe, Coutances-Valogne, oui. Dont on retrouve trace à Valcanville, et qui irait... Non. L'axe centre, l'axe principal, c'est Condatet-Rennes, Ingédia, Légédia, Avranches, Cosédia, Coutances, Alona, et après ici, à partir de là, il y a deux branches, une vers, enfin au moins deux branches, une vers Coriallo, une tout droit avec Capéville, et probablement une direction Réville. Donc là, c'est un autre axe qui part comme ça, qui passe à Valcanville et qui va vers Quatemar. Mais alors, pour cet axe-là, qu'il soit ancien, je dirais carolingien, oui, sans problème, qu'il soit antique, peut-être pas. Okay. Peut-être. Parce que ce qui m'étonne, c'est Gapard. On offre aujourd'hui un chemin touristique, d'accord, mais à l'époque, est-ce qu'on avait une idée de ce qu'il y avait au bout en tout cas, l'axe se dirige dans ce sens-là. En tout cas. Ça, c'est un constat. Mais alors, l'axe existe à l'époque carolingienne, vu les toponymes autour, c'est quasiment sûr. Plus anciennement, peut-être, mais j'ai aucune preuve. Ah, aujourd'hui, peut-être que dans deux mois, on aura des éléments, mais pour l'instant, rien. Parce qu'à Valcanville, on a des. On passe par la commanderie, mais un peu plus loin, on a les carrières, par exemple, les carrières. Mm-hmm. Et puis aussi, l'autre élément, il y a des bombes de foires médiévales sur un tronçon de 10 km, on va avoir 6-7 foires médiévales. Donc le chemin est important pour l'activité économique, mais début du millénaire, hein. Pas le précédent, pas celui-là, mille ans, quoi. Mais qu'il était antique. Peut-être pas. Sachant que sur Barfleur, on doit les traces d'une ferme du côté du stade, je crois, par là, sur un foot. À ce jour, il n'y a pas de traces antiques sur Barfleur. Mais l'absence de preuve, c'est pas la preuve de l'absence. Hein. Mais le pavement que vous trouvez, c'est antique ou médiéval? C'est pas... le revêtement de la voie. Ici, à Valcanville. Ah, il n'y a pas de revêtement, je n'ai pas dit ça. Non, mais il n'y a pas un revêtement qui a été trouvé dans le cimetière ? Des pavements ? Non, c'était il y a activité économique de fondeur sur place. C'est pas une voie. De toute façon, s'il y a une voie, elle est nord-sud. Et alors l'autre axe qui passe plus au nord, qui est un axe médiéval sans problème, qui vient depuis Barfleur par le Mont-Rôti et ensuite direction Valogne, à côté, passant à l'ouest de Canteloup et après l'autre direct vers Cherbourg. Cet axe-là, pas garanti tout que ce soit antique. Hein. Malgré des toponymes qui peuvent. Parce que bon, la maison blanche, par exemple, ça. Voilà.
Mais j'irais, cet axe-là, il est d'origine médiévale, j'irais du Moyen-Âge classique, c'est-à-dire du 12-13e sans problème. Peut-être avant, c'est... Peut-être, peut-être pas. De même qu'on avait parlé à un moment d'un axe Barfleur, Barfleur, je ne sais pas, Falconville-Port-Bail. Attention, alors, Barfleur, à l'époque romantique, ça n'existe pas, il n'y a rien. Non. Bon, c'est Réville, il n'y a pas d'étoile. Il n'y a pas d'étoile, parce qu'on a un axe comme ça, tout droit. Et il n'y a pas de voie particulière entre Port-Bail et le Val-de-Serre, quoi. Par un axe, un axe Port-Bail, Alouna, Réville. Oui, mais c'est... Alors, sachant que le soir là où c'était fouillé, pour, donc c'est certain, c'est à Port-Bail et c'est à Alouna. Tant que c'est pas fouillé... D'accord. Mais c'est plausible, un acte comme ça. Mais Moyen-Âge ou Antiquité ? Pas Antiquité, hein. À Moyen-Âge, c'est autre chose. On a d'autres chemins qui se créent. Ouais, ça, c'est autre chose, pas Antiquité. Oui ? Oui. Il y a un chemin médiéval bien connu qui relie le Cotentin au Messin, que Gilles de Bougainville utilise beaucoup, en passant sur le Grand V. Ça n'existait pas, non ? Ah si, alors, tu parles sans doute de la chaussée Bertrand ? Le Grand V. La chaussée Bertrand, c'est un axe qui est par Vibec, comme ça, dans le sens là. Là, c'est une antique ici. Elle est antique et qui existe encore au Moyen-Âge parce qu'elle est encore utilisée. Parce qu'il y a des chemins qui sont utilisés encore et d'autres portes. Donc il y en a qui sont encore en bon état, pas réparés, et d'autres partent à l'abandon. D'accord, donc ce chemin existait bien à l'époque. Ah oui, il y a un passage ici, oui, bien sûr, oui. Ah oui, c'est un passage très ancien. Voilà. Bon, sinon, sur la méthode rétroactive, c'est bon, pas de souci. Je suis prêt à en parler pendant des heures. Sur la règle, il y a quelque chose qui va ou on ne voit pas? J'ai pas d'éléments. D'accord. Sur l'axe de Valcourville-Guettemard, j'apprends. Oui. Il passerait par Auroville, enfin, je ne le visualise pas. Moi, j'ai surtout étudié sur la partie Valcourville-Tobuil. Hein. Je n'ai pas regardé le reste. Hein. J'ai fait un article de Bustin Valcourville là-dessus. D'accord. Et il y a de la toponyme marqueur et le fait que la commune soit dessus, ça colle. Mais qu'on a Clairière, ça amène au moins quelque chose à nager. On a des Clairières aussi à Fermanville, tout près d'Aglemar. Et en fait, donc, les Clairières, et qui vont directement vers le castel de la Mondrée, dont certains avaient fait un ancien château, ça c'est dans leur rêve. Je pense que plutôt c'est une vigie, et en fait il y avait un chemin qui allait avec sa vigie. Le fait que ça appelle ça une carrière, ça veut dire que l'axe est sans doute assez ancien. Et il y a eu d'abord une vigie là, mais est-ce que c'est l'époque carolingienne, mérovingienne, antique? Alors ça, j'en sais rien. Mais le mot carrière implique que c'est quand même un peu ancien. C'est ça que juste du Moyen-Âge classique, là, on n'aurait pas carrière. Pas de questions? Bon, ben voilà, merci. Merci.